Eh bien, salut à tous, c'est Laretiam, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez-moi, ça va super. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 3 de notre petite série tutoriel sur Football Manager 2016. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper du, j'ai envie de dire, de la plus grosse part de ce qui vous ronge les ongles lorsque vous engagez dans une carrière sur Football Manager et lorsque vous vous plongez complètement dans les abysses de ce jeu, c'est bien sûr le recrutement. Et oui, les recrutements, les transferts, comment analyser vos forces et vos faiblesses dans l'équipe, qui recruter, comment recruter, quelles caractéristiques regarder en priorité par rapport aux joueurs dont vous avez besoin, par rapport aux joueurs qui peuvent aussi venir dans votre équipe, bien sûr. Tout club ne joue pas dans la même cour et il faut aussi avoir, comment dire, des petits automatismes par rapport au club avec lequel vous jouez. Donc voilà, on va essayer de parler de tout ça, en sachant que oui, bien sûr, on n'est qu'avec un seul club. Donc je vais faire par rapport au club. J'ai choisi quand même volontairement aussi Leicester, parce que ça permet aussi de recruter des joueurs assez important, sans être des gros stars. C'est quelque chose que je ne montre pas souvent non plus dans mes lives et dans mes vidéos, et donc j'avais envie de vous le proposer aussi parce que ça changeait un petit peu d'habitude. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous donc une excellente vidéo, et puis on se retrouve tout de suite. Alors, troisième tuto, les transferts, le recrutement de joueurs, achat, vente, par rapport à la situation actuelle. Alors, c'est vrai que c'est un peu la base de votre préparation. On est déjà bien. On a regardé les infrastructures, on a parlé aux dirigeants, on va leur reparler encore une fois. Même si, bon, voilà, encore une fois, Club FI, on pourrait demander, mais tout ce qui est finance, je ne sais pas si on peut. Si on demande pourcentage, ils acceptent. Est-ce que budget salarial, ils l'accepteraient? Hop, 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 attends. Viens là, toi. Ah, il n'accepte pas budget salarial. Finance, transfert. Allez, on va tout demander. Hein. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, ce qui est juste passé, c'est le fait d'augmenter les pourcentages du revenu transfert et donc ils sont à 90%. C'est la seule chose qu'on a réussi à faire. Ça, faites-le régulièrement durant le début de saison. C'est toujours intéressant. Hein, vous pouvez aller débloquer des petites choses. Alors, là, il nous propose pas mal de joueurs, disons-lui. Hein. Il nous propose pas mal de joueurs. Je pense à Marek Sushi. Tiens, est-ce qu'il est fort, Marek Sushi? Il a l'air peut-être un peu lent, le tchèque. Hein. On va quand même aller regarder. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On avait déjà regardé un petit peu, par rapport aux forces en présence, ce dont on avait besoin. Pour rappel, on a besoin d'un défenseur droit. Je dirais même peut-être meilleur que Danny Simpson. Alors bien sûr, ce que je vous encourage à faire, c'est d'ores et déjà, quand vous savez quel joueur, vous allez regarder. Moi, par exemple, là tout de suite, je pense à Sam Biram. Faites-le. Parce que si vous commencez à dire, non mais je vais d'abord regarder la liste des transferts et tout, parfois vous êtes complètement, mais complètement paumé, vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Donc voilà, alors Sam Biram, il vient d'être recruté par West Ham. Il a été recruté à West Ham certainement au mercato d'hiver, je pense, hein, puisque quand on voit ça, hein, qu'il était à Leeds au départ de la saison, donc ça veut dire qu'en gros, il a été recruté au mercato d'hiver. Donc voilà, je pensais à Sam Biram pour pallier Danny Simpson, qu'on ne vendra pas, hein, qu'on va garder dans la rotation. Il nous faut un défenseur central. Voilà. Il nous faut peut-être un ailier remplaçant, et puis un milieu centre qui est capable de jouer meneur de jeu en retrait, milieu axial. Et puis peut-être un autre milieu défensif. En buteur, on reste comme ça. On va garder Uloa, on va garder Okazaki, et on va garder, bien sûr, Jamie Vardy. Voilà pour le moment ce qu'il nous faut. Donc on va procéder tranquillement. Toi déjà, j'ai vraiment envie de te vendre, alors peut-être pas 1 million, mais 500K, surtout que son contrat se termine à la fin de l'année. Alors la première chose que je fais en général, déjà, c'est ça. Hop. Donc c'est, en gros, je regarde les joueurs qui seraient potentiellement intéressés. Je reste en transfert réaliste. Voilà, ça c'est l'ensemble des joueurs qui seraient potentiellement intéressés pour venir. Alors, déjà, là, à ce moment-là, je commence à observer, parce que Bernard, côté gauche, tu vois, ça ferait mal, ça. Ça ferait très mal, hein, Bernard à Leicester. Bon, est-ce que c'est le but de recruter un gros joueur, là? Pas forcément. Moussa Sissoko.
Ça, Sissoko, ça peut être pas mal. Alors voilà, j'observe. Vraiment, là, je regarde un petit peu les joueurs qui pourraient nous intéresser de manière globale par rapport à notre tactique, par rapport au poste dont on a besoin. Il n'y a pas vraiment de logique. La seule logique, c'est que j'essaie de rester sur des joueurs qui peuvent nous intéresser. Voilà. Et là, c'est potentiellement des très gros joueurs. Hein. Donc j'observe. Tiens, je vois Januzaj. Januzaj, il va peut-être être potentiellement prêtable. Ça aussi, c'est des choses qu'on doit regarder. Mais là, c'est la première chose que je fais. Voilà, je regarde. Je regarde ce qui est intéressant. Ryan Chocroche, je pense qu'il est. Voilà. Tiens, Glick. Enfin, Gilk. Glick, pardon. Glick. Je suis que lui, ça peut être très intéressant. Il n'a pas l'air trop cher en plus. Donc ça peut être un très bon défenseur. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui peut être intéressant? Bruno Pérez à droite aussi, hein. Pas mal. Voilà. En général, voilà, je ne vais pas le faire pour tout. J'observe quelques joueurs comme ça. Et ensuite, première chose. Alors là, je vais me faire. Option filtre, organiser les filtres, importer, recherche de joueurs, charger. Ok. Tac, recherche joueurs. Voilà, ici j'ai tout. Ici j'ai tout. Donc j'ai les joueurs disponibles en prêt. J'ai les joueurs disponibles transfert. Et donc je commence toujours par ça. D'abord disponibilité transfert, disponibilité prêt. Et s'il n'y a rien qui m'intéresse, on va voir ailleurs. Alors là, vous voyez que en transfert, il y a Jesus Navas, Adriano, Fraser Campbell. Voilà, là, quand je vois tout ça, ça m'intéresse pas forcément. Hein. Est-ce qu'il y a peut-être des choses intéressantes en transfert non réaliste? Il y aurait Borja Valero. C'est pas mal, Borja Valero, quand même. Hein. Ça vaut cher. Borja Valero, pardon. Ouais. Ça vaut cher, mais c'est pas mal. C'est pas mal, donc on observe. Après, voilà, le reste, ça me paraît pas exceptionnel. Nzogbia, à la rigueur, mais il y a 332K pour un joueur qui joue de moins en moins. Bon, c'est peut-être pas oufissime, quoi. Donc, voilà, donc je regarde, je vois que c'est pas oufissime, à mon sens. Hein. Du coup, je mets disponibilité prêt. Et là, en prêt, il y a des choses pas mal. Hein. Là, en prêt, il y a des choses pas mal. En défense, il pourrait y avoir Ilori, par exemple. Ça peut être un bon joueur en défense. En prêt. Donc, j'observe. Tom Carroll, est-ce que ça nous intéresse? Pourquoi pas? Harrison Reed. Hein, Browning. Donc là, il y a pas mal de joueurs qui sont intéressants. Brad Smith, Jordan Rossiter. Après, qui ont le niveau actuellement pour jouer en première ligue. Il n'y en a pas des masses, hein. Il n'y en a pas des masses. Je vais quand même demander de Tom Carroll. Alors, Januzaj, j'ai l'impression qu'il n'était pas en prêt. Alors ça, pareil, ça vient durant la préparation de saison. Toujours, toujours, toujours aller regarder les joueurs qui seront sur la liste des transferts et les joueurs qui sont sur la liste des prêts. Là, ils veulent pas le prêter pour le moment. Donc, faudra regarder. Hein. J'ai envie de dire, toutes les semaines, faites un tour, quoi. Faites un tour, regardez, parce que ça évolue. Ça évolue constamment, constamment, constamment. Tiens, Browning, ça peut nous intéresser parce que c'est central et défenseur droit. Donc on regarde. Est-ce qu'il a le niveau pour jouer tout de suite ou pas? Qui en a d'autres? Bon, bah là, McNair, Origi, Correa, tout ça avait le niveau pour maintenant. Wilkin après, tout ça, c'est plus trop. Ouais, c'est plus terrible. Bon. Et puis ensuite, eh ben, quand vous avez fait ça, vous revenez à vos transferts réalistes. Et puis vous commencez. Vous commencez avec défenseur centre. Parce que je pense que c'est. Si on doit faire une grosse recrue, c'est défenseur central. Alors voilà, vous pouvez regarder, vous prenez les meilleurs, ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas, vous observez pas, vous choisissez. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal en défense centrale? Alors voilà, si vous avez sur le chat, hein, si vous avez des idées, on va pas faire énormément de recrutement, encore une fois, c'est pas le but. Le but, c'est quand même aussi d'essayer de rester dans des conditions de joueurs voilà, qu'ont actuellement Leicester et de faire la saison avec ces joueurs-là. On recrutera vraiment comme des porcs à partir de la deuxième saison, ça faites-moi confiance.
Mais là, c'est bon, pour faire le tuto, on va recruter des joueurs, mais je veux aussi rester dans une optique de ne garder, de recruter que très peu de joueurs pour essayer de faire la saison avec l'effectif qu'ils ont actuellement. Vous comprenez l'histoire. Maintenant, voilà, prendre un bon défenseur, ça va pas nous, ça va pas nous faire du mal non plus, quoi. Est-ce que je veux dire. Bon, là, à part Nkoulou, peut-être de Maggo Jivida, à la rigueur. Voilà. Alors là, c'est j'observe aussi des joueurs par rapport au niveau, quoi. Donc voilà un petit peu au niveau des défenseurs. Callum Chambers, tiens, on va les voir. En plus, c'est un Anglais. Alors, on va essayer quand même de faire des recrues réalistes. Donc voilà, c'est vraiment moi qui choisis d'observer. Alors ça, c'est un choix. Vous pouvez laisser vos recruteurs qui vont vous proposer des joueurs. Et puis voilà, vous pouvez même demander à vos dirigeants de s'occuper des recrutements. C'est un truc que je n'ai jamais fait. Mais a priori, parfois, ils vous font des recrutements qui sont pas dégueulasses du tout et qui sont très cohérents par rapport à votre manque et par rapport à la tactique que vous avez choisie. C'est une possibilité. Moi, je regarde. Je regarde, je passe du temps à regarder. Je regarde les joueurs, je les fais observer par mes recruteurs pendant 3 mois. Comme ça, ils ont le temps de les observer, ils ont le temps de me rendre un rapport complet. Et puis ensuite, je fais mon choix, quoi. Mais c'est encore une fois ma façon de faire. C'est pas la meilleure, c'est pour moi celle qui me correspond le plus et celle qui me paraît la plus évidente, quoi. Bon. Et là, je reste aussi sur, attention, les transferts réalistes. Je suis pas obligé, hein. Après, dès que je vois un joueur, etc., boum, j'y pense, etc. Là, voilà, moi, je mets une petite piécette sur Glick. Hein. Je mets une petite piécette sur lui parce que polonais, ça a l'air intéressant, pas trop cher, ça peut faire le taf. Alors, défenseur droit, même principe. Qu'est-ce qu'on nous propose en défenseur droit? Il y avait Bruno Pérez, ben on l'observe. Daryl Janmaat de Newcastle, ça peut être intéressant aussi ça, donc j'observe. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi sur le marché qui peut être intéressé? Joel Ward, ouais, Crystal Palace, c'est pas top. Chambers, ouais. Alors Korchia. Korchia, why not? Franchement, hein, peut être une très 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 bonne recrue, Korchia. Il est pas cher en plus, hein. Donc là, vraiment, elle n'est pas chère du tout. Hein. Donc ça peut être très intéressant pour nous. Akpak Pro. Le troll du Akpak Pro. Luke Chambers, ouais. Tiens, Mikey, là. Alors par contre, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là, avec la nouvelle base de données sortie tout style, là? Ah, mais CEC, c'est... C'est Cruzeiro, quoi. C'est un peu bizarre, cette histoire. Hein. Je sais pas si vous avez cité ça aussi. Non, mais c'est juste... Ah non, c'est pas sorti tout aussi, en plus. Non, je crois que c'est les appellations des noms de clubs. Tous les clubs brésiliens, c'est ATM, c'est n'importe quoi. Et puis, c'est pas les bons maillots. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, le championnat brésilien. Il est tout bizarre. Qu'est-ce que j'ai rajouté pourtant? J'ai mis les. J'ai même pas mis de base de données en plus. Hein. C'est juste les noms des clubs. Bon, bah ça peut changer à la rigueur entre plusieurs épisodes. Ça peut changer. Bah, je la remettrai pour voir. Il y a peut-être une erreur qui a été faite. Ça, faudra qu'on regarde. Non, non, le jeu a pas planté du tout. Hein. Non, non, non. Bon, plutôt bizarre. Crazy Buster, the skin is the FM Greek way. Voilà, donc Mikey, bon, bah, je l'ai quand même observé parce qu'il est plutôt pas mauvais. Hein. Voilà, sinon je pense pas là, à d'autres arrière-droits. Oui, j'ai même pas besoin d'en observer 10 000. Hein. Il y a Boué. Direct. Comment ça s'écrit Walquist déjà? C'est bon, je l'ai. W-A-H-L. Linus Walquist. Ah bah alors, lui m'intéresse. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais aussi observer, mais ça, c'est les classiques, donc Lundemo. Alors, Ager, malheureusement, bah, il va au Celtic direct, hein, donc je ne peux plus l'observer. Qui y a d'autres à observer aussi? Lyon. Tiens, Lyon aussi. Pourrait être intéressant, ça, milieu offensif gauche.
Franchement, c'est peut-être pas trop cher et c'est pas mal, hein. Je sais pas s'il aura le niveau tout de suite, mais bon. Bon, je vais juste. Je vais. Sifkovic aussi, ben voilà, hein, écoutez, on y pense aussi, hein, on regarde, on va quand même recruter les. Penser aux classiques, hein. Bon, voilà. À Rouli pour la deuxième saison en gardien, ouais, tiens, je vais regarder aussi, ouais, parce que Rouli, il est en fin de contrat en 2016. Hein. Alors ça, c'est aussi un truc à regarder pour éventuellement faire des transferts moins chers. De regarder les joueurs qui seront en fin de contrat dans un an. Ça, c'est toujours un truc à faire aussi. On le fera après. Alors, on a vu pour le défenseur droit, défenseur gauche, est-ce qu'il y en aurait qui éventuellement pourraient nous intéresser? Ouais, Tillman, c'est Pratt. Ouais, bon, allez, vas-y. On va les observer maintenant, comme ça, ils seront déjà dans la liste. Ça, c'est aussi des trucs que je fais en général, des gars qui sont toujours très forts dans toutes les parties. Je vais toujours les observer. Voilà, Tillmans, hop. Ousmane, Dembélé. Ça, c'est des choses qu'on observe classiquement. Hop. Voilà. Patrick Roberts également. Hein. Jean-Brian Boukaka, Fabio Concas, tout ça, les classiques, hein, on observe. Hein. Bon, ça, Boukaka avec Leicester, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est pas forcé. Hein. Mais avec un petit club, Boukaka, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est très très bien. Alors à gauche, qu'est-ce qu'il nous conseille? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Oh, Ben Davis. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon, Ben Davis. Vous voyez, ça joue en Angleterre depuis quelques temps. Donc ça me plaît. Là, comme ça, j'en vois pas beaucoup d'autres. Mais bon, c'est parce que je regarde vraiment très, très rapidement. Emmanuel Mas de Saint-Laurent, je crois que c'est pas mal aussi. Sai de Saint-Laurent, si, señor. Que loco soy. Vamos, cyclone. Bon, bah écoutez, là, voilà, je suis en train de penser. Alors, voyez aussi comment je fonctionne. Parfois, je vois Villarreal. Tiens, ça me fait penser à d'autres joueurs. Et notamment à Villarreal, il y a le Eric Bailly, qui est très très fort. 21 ans, défenseur central. Alors, est-ce qu'il vit... Non, il vient pas d'arriver en plus. Donc, je crois qu'il a un beau potentiel. Il est assez costaud. Tiens, puis il y a Raume Costa aussi, hein, arrière gauche. Alors, Nahuel Leiva sur le côté, tout à fait. Hein. Ils l'ont pas déjà prêté? Ah, ils l'ont déjà prêté, Nahuel Leiva. Dommage. Dommage parce que ça, c'était pas mal. Ils l'ont prêté où, Nahuel Leiva? Ils l'ont prêté à Bâle. Voilà. Alors, bon, à Bâle, il y a aussi Brill Embolo, hein, mais bon, bon. Brill Donald Embolo. Bon, on va peut-être pas non plus exagérer, hein, parce que niveau attaque, on a ce qu'il faut, hein. Logiquement. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, petit bril, on a observé. On continue, on continue, on continue. On a vu, bon, écoutez, hein, côté gauche, ma foi, à part Ben Davis, je sais pas, mais bon, là, on en a deux qui sont potentiellement pas mauvais, donc c'est pas là-dessus où j'insiste. Milieu défensif. Alors là, on peut peut-être aller faire une petite affaire. On va regarder ce qu'il nous propose. Malheureusement, bah c'est pas top. Il n'y a pas de grosses, grosses propositions de leur part, je trouve. Alors, il faut bien, bien, bien regarder. Nacho, ouais. Nampalis Mendy. Gelson Fernandez. Wendell à gauche, ça va être trop cher. Ça va être trop cher. Enfin, ouais, ça va être trop cher, remarque. Je vais quand même aller regarder. Et c'est comment il s'appelle déjà, Sienko, celui que tu avais remplacé par Wendell, là? Enfin, que tu as, qui avait remplacé. Jorge. Il joue au Flamengo, tu dis? Putain. C'est Jorge comment, tu te souviens? Ah ouais, mais putain, c'est FLA, quoi.
Ça, c'est vraiment insupportable. Pourquoi ils ont changé à la FLA? Oh, putain, pourquoi c'est comme ça? Ça, je sais pas. Tu m'as dit Jorge. Allons regarder Jorge. Voilà, ça, on va regarder. Ok, parfait. Tiens, je suis en train de penser à Lucas Romero, mais bon, je crois qu'il vient d'être transféré, hein, donc ça sert à rien. Ça sert à rien, mais bon, je veux quand même l'observer parce qu'il est bien, bien costaud. Et à Boca, il n'y a pas un petit jeune milieu là qui est intéressant aussi là. Meli, hein. Marcelo Meli. Ouais, très, très costaud. Ça peut être pas mal, Marcelo Meli. Carlos Tevez aussi, c'est connu, un peu. Bon. Mais c'est pas connu du tout, hein. Tiens, Gago, on peut la regarder aussi, Gago. 18 ans blessure, Gago? Non, peut-être pas, quand même. Ah, putain, c'est beaucoup, hein. Ah, Sadio Mané! C'est bon, ça. Mais à mon avis, ça va être cher, par contre, hein, parce que tout ce qui, est, tout ce qui touche à la BPL, c'est cher. Alors, Kouyaté, j'observe, en milieu défensif. Qui a d'autres? Garmash, Mark Wilson, Veloso, Kisson Yeung, Kayal. Alors en plus, voilà, c'est vrai que ça fait une liste, hein, ça vous permet de voir des joueurs qui peuvent être intéressants aussi pour vous dans vos parties. Moi j'aime bien Nacho du CSKA Moscou, je trouve que c'est un bon joueur, c'est un joueur intéressant. C'est vrai que bon, il nous faut pas forcément un titulaire, hein, donc. Il nous faut juste un joueur qui est capable de jouer à ce poste de milieu défensif. Tiens, Lewis Cook, jeune joueur de Leeds. Ça m'intéresse toujours d'aller voir les jeunes Anglais. C'est toujours intéressant d'aller regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous propose? Attends, Cyprien, quoi déconner, non? Behram Kayal, il est ancien joueur du Celtic Glasgow, si mes souvenirs sont bons. Alors, Besic, est-ce qu'il est blessé longtemps? 3 cette semaine, non. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, Besic. Jeune bosnien d'Everton. Bon, il y a toujours les classiques, hein, chez Kioté. Thomas Pina de Villarreal, Tom Huddlestone. Bon, ça, c'est pas hyper, hyper fort. George Chorn, tiens, de Derby. Allons regarder. Ah, Lucas Leiva, c'est pas mal, hein. Ça irait bien, ça, dans la tactique, hein. Ça irait très très bien dans la tactique. Liverpool, hop. J'observe, par contre, 456K. Mais PSG qui s'intéresse à lui, bon, c'est pas sûr qu'il le lâche. Hein. C'est pas sûr qu'il le lâche. Je vais juste faire une petite sauvegarde, par contre, avec tout ce qu'on a fait, parce qu'on en a pas fait depuis tout à l'heure. Naby Keita est vraiment pas mal. Ah oui, Naby Keita, c'est Red Bull Salzbourg, c'est ça? Pourquoi un 6 alors que j'ai Inler et Amarté? Parce que Inler n'est pas un vrai 6. Alors après, il y a toujours la possibilité de mettre N'Golo en 6. Mais bon, je suis pas non plus convaincu, quoi. N'Golo, c'est un peu dommage de le mettre en 6, parce que vu ses qualités, voilà. Bon, après, on va regarder un milieu-centre. Alors là, il devrait y avoir pas mal de possibilités pour nous. Donc on en a déjà observé pas mal. Tiens, on va l'observer aussi, la Junuzovic du Verder. C'est un joueur avec un bon mental, me semble-t-il. Je pense que ça conviendrait bien à Leicester. Diamenon, Garmash, Romulo, Anita, Rudy, Joe Ledley. Bon, je connais un peu tous ces joueurs-là, mais bon, là, il n'y en a pas un qui me tente plus que ça. Ah, là, c'est Vigan Christensen de Fulham. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, hop, on va regarder. Qui en a d'autres? Daniel Williams, non. Lewis Cook, il est en observation. Rabiot, pourquoi pas. Hein. Franchement, pourquoi pas Rabiot, c'est pas mal, hein. Parce que voilà, là, il nous faut aussi un joueur dans la rotation pour jouer soit meneur de jeu retrait,
Soit pour jouer un milieu axial attaque. Donc il nous faut aussi ce type de profil. Là, j'ai pas l'impression qu'on nous propose quelque chose de très très costaud. On continue à observer. Cigarini. Alors voilà, je regarde pas non plus là exprès. Hein, je regarde pas les jeunes potentiels. Hein, les Wonder Kids. Hein, c'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de prendre tout de suite un joueur qui va s'adapter rapidement à ce qu'on recherche, quoi. Stephen Highlands. Donc bah, de base, ça risque quand même plus d'être un joueur qui joue en BPL, en tout cas qui a l'expérience de la BPL, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse. Maintenant, ça peut être aussi tout autre, hein. Ça peut être aussi un tout autre joueur, hein. Bon, là, il n'y a pas ce qu'on veut. Si on met... Tiens, j'étais en train de penser à Eremenko. Eremenko. Roman Eremenko, ça donne quoi? C'est plutôt milieu offensif centre, mais ça peut jouer milieu centre aussi. Hein. Si on peut regarder aussi en termes de milieu offensif centre, ce qu'il nous proposerait. Ah, il y avait Ward Prowse. Pop, 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 pop. Je l'ai vu que plus tard. Et alors ça, c'est typiquement des joueurs qui peuvent être très très intéressants pour nous. Hein. James Ward Prowse. Ça joue aussi bien milieu attaque que meneur de jeu retrait. Hein. Ça, c'est très bon. Très très bon Ward Prowse. Et alors, en milieu offensif centre, qu'est-ce qu'il nous proposerait? Ingard, Canales, Januzaj, Ward Prowse, justement. Gnabry, non. Borja, non. Giuliano de Gremio, non. Kiyotake, non. Voilà, c'est pas. Je pense que j'ai vraiment observé les joueurs qui me paraissaient les mieux afin de pallier à ce qu'on a, quoi. Bon, là, ce qu'il nous propose, c'est pas très intéressant. Alors encore une fois, je reste aussi sur les joueurs qu'on me donne comme transfert réaliste. Hein. Parfois, il faut savoir aller au-delà, quoi. Ouais, alors Grealish, j'y pensais. Alors maintenant, on va regarder aussi milieu offensif gauche, parce que ça, c'est la priorité. C'est la priorité. Et Grealish, je pense que c'est parfait, en effet. En effet. Je pense que Grealish c'est un des meilleurs qu'on puisse avoir, quoi. Alors il y a aussi Nathan Redmond de Norwich, qui est pas mal. Qui est pas mal du tout. En plus anglais, ça peut être intéressant. Gonçalo Guedes, portugais, Benfica. 18 ans, ça s'observe. Même si, encore une fois, je préfère avoir un joueur qui a un peu plus d'expérience et notamment qui a déjà de l'expérience en première ligue. Parce que sinon, c'est. Je dirais que c'est pas vite compliqué, mais vaut mieux. C'est toujours mieux. Bon, il y a Ntep, hein. Alors, ok, ça a pas d'expérience en première ligue en soi, mais bon, c'est toujours pas mal, pas le genre Ntep, hein. Bon, Gros Kiki, c'est Gros Ziki. Hein. Gros Kiki, non. Dieu prend pas. Là, comme ça, là, il nous propose pas grand-chose. Ouais, Bernard serait intéressé. Putain, alors ça. Ah bah, si on peut avoir Bernard. Tiens, il y a Boufal aussi. Pourquoi pas, hein, Sofiane Boufal. Pourquoi pas, Sofiane Boufal, j'observe. Chris Brunt. Monet Paquet, non. Pff, alors Januzaj, il est déjà en observation. Alors j'ai quand même observé Grealish parce que ça, c'est vraiment pas mal en effet. Jack Grealish d'Aston Villa, c'est très très fort. Ouais, je sais que tu parles en connaissance de cause, puis j'aime bien ce joueur-là. Donc ça pourrait être très très intéressant dans notre 4-3-3. Voilà, et puis si on regarde milieu offensif droit, est-ce qu'il y en aurait éventuellement un autre qui pourrait être intéressant? À part Jesus Navas, là, comme ça, ouais, il y a nos âges, on s'en est déjà observé. Tiens, Quincy Promesse, on va quand même regarder. Toujours être intéressant aussi. Voilà, mais le reste, là, je crois que. Donc, vous voyez, au final, j'ai vite fait le tour. Hein. J'ai vite fait le tour parce que je connais mes recrues, je sais les joueurs que je veux observer. Alors ensuite, ce que je vous conseille, hein, c'est de demander à des recruteurs typiquement d'aller vous chercher tel ou tel joueur.
Bon, moi j'ai l'habitude de regarder par moi-même, mais faites-le aussi, demandez à des recruteurs, ils vont peut-être vous proposer parfois des idées que vous n'avez pas eues. Hein. Moi en général, je le fais moi, je vous demande sur le chat. Donc bon, je suis pas perdu, quoi. Mais c'est vrai que ouais, Jefferson Montero fort, ouais, mais ouais, niveau mental et tout, c'est pas dans mon style, ouais. C'est pas du tout dans mon style. Ouais. Ouais, Odegaard, ouais, bon, tu vois, on peut aller voir, mais là, il est Odegaard, Martin Odegaard, voilà, avec la Castilla, bon. Après, pourquoi pas, hein. Moi, je dis pourquoi pas. Mais bon. Voilà un petit peu. Donc, une fois qu'on a observé tout ça, eh ben, on attend les rapports. Tranquillou. Alors, Vida, on a observé aussi. Voilà. Alors, j'attends vraiment que les rapports soient presque terminés, quand même, avant de faire quoi que ce soit. Hein. Callum Chambers. Ça rentrerait. C'est pas mal, hein, Chambers, ça. Hein. Formé à Southampton. Yann Mat, ça serait parfait, tout de suite. Entre 10 millions et 20 millions. Donc pourquoi pas. Alors Korchia à droite. Korchia, c'est pas cher en plus. Et ça, je pense que. Combien ça a de potentiel, Korchia? 155. C'est fort. C'est très bien, ça, Korchia. C'était celui que je visais tout de suite. Hein. El-Younoussi, pas cher non plus. Zivkovic, pas cher non plus. Rouli, ce serait pour l'an prochain. Ben Davis, ce serait peut-être pas trop cher non plus à voir. Emmanuel Mas non plus. Donc vous voyez, hein, j'ai déjà observé quelques joueurs intéressants. Hein. J'ai pas observé n'importe qui à la Vevita. Qui ça? Ah, Zivkovic, le prix, c'est cadeau, hein, c'est sûr. Meli aussi, c'est pas cher. Hein. Nacho, vous voyez. Ah, dès que t'es en BPL, de toute façon, oui, c'est. Ah, c'est pas cher. Lewis Cook, Besic, c'est même pas trop cher non plus. George Storm non plus. Hein, Inazovic. Vigen Christensen, c'est pas mal. Rabiot aussi. Eremenko, ça serait dispo. Ward-Prowse, par contre, c'est cher. Bah, c'est joueur anglais. Hein. Redmond, c'est pas mal. Guedes. Paul-Georges Ntep, c'est pas trop cher. Il est pas mal quand même, hein, Moussa. Hein. Tu prends Moussa et Kanté en meneur de jeu retrait, ça peut être très fort. Hein. Ouais, ça peut être très très fort. Hein. Ça peut être très très fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une offre? Moi déjà, ce que j'ai l'habitude de faire, bon là vous avez 27 millions de budget, largement suffisant. En gros, vous mettez un montant. Alors là, ils vous ont dit entre quoi et quoi votre côté? Il vous a dit entre 11 millions et 23 millions. Alors du coup. Moi, je vais tenter un truc où je mets 4 millions tout de suite, mensualité à 48 mois, 7 millions 5. Je ne fais pas de après les apparitions en championnat, par apparition en championnat, tout ça. Moi, je mets ça direct. Voilà. Et je sais ce que ça va me rapporter, je sais combien je vais dépenser, etc. Je mets pas non plus de primes, pourcentage sur profit à la revente, etc. Voilà. Je commence comme ça. Ensuite, si je dois ajuster, je pourrais utiliser ces variables-là. Mais je commence toujours à faire une offre comme ça. Une partie tout de suite, une partie sur 48 mois. Toujours, toujours, toujours. Alors là, ils nous proposent quoi? Ils nous disent 9 millions sur 48 mois, 16,75 tout de suite. Bon, alors vous voyez qu'en gros, il va quand même falloir clairement augmenter notre offre. Donc je mets 6 millions et puis 8. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Là, déjà, ça devient plus intéressant. Ok, on va mettre 6 millions 5. Suite, le budget, hein, 9 millions 5. En gros, ça me fera un montant potentiel à 16 millions d'euros. Bon, a priori, ça devrait être accepté dans pas longtemps. On va certainement encore renégocier. Zivko, bon, Zivko, je vais pas le prendre parce qu'on le prend très très souvent et que voilà, hein, mais bon, vous le connaissez, hein, dès que vous avez un gros club, si vous avez avoir envie d'un super potentiel, un joueur qui est capable, voilà, de vous faire des différences rapidement, etc. Voilà, je profite aussi de ce tuto de transfert pour vous montrer quelques joueurs. Hein. C'est vrai qu'on en profite, Zivko, un club moyen, même genre un Nantes, un Rennes ou un truc comme ça, mais prenez-le direct, quoi. Déjà, il est en fin de contrat, en 2016. Hein. Donc, vous voyez, hein, les rapports, c'est entre 2,1 et 3,9 millions. Hein. C'est direct. C'est même pas vous hésitez. Regardez les grands intérêts des clubs. Hein. Il y a tous les grands clubs dessus. Hein. Donc, allez-y, quoi. Allez-y direct, hein.
Le 10-0, Vardy qui en met 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 le 10-0. Ah, ça picote. Kanté, d'ailleurs, Mahrez, et puis le petit jeune. Ah, ça fait mal. Alors, on va profiter maintenant du fait qu'on ait déjà un petit peu observé des joueurs et puis qu'on commence à faire des œufs pour aussi aller regarder notre équipe U21. Alors, l'équipe U21, déjà, on va libérer de la masse salariale. C'est la première chose à faire. Donc, dans ce cas-là, ce que vous faites info générale. C'est pas ça. C'est... Kiftiga, il est libre. Pourquoi? Oh là! Oh là là, il arrive pas à écrire, le pauvre. Allez, viens boire un petit verre. On a soif. Contrat, voilà. Petit contrat. Alors, qui faut dégager? Qui coûte cher? Bon, les jeunes, ils coûtent pas trop cher, là, ça va. Je vois 244 000. Ah ouais, mais c'est Benalouane. Schwarzer, il a 212 000. Alors qu'il a 40 ans. Ça, c'est abusé, par contre. Hein. Ça, c'est vraiment abusé, quoi. C'est au rapport de l'adjoint. Parce que c'est comme ça que je laisse, en général. Bon, alors, déjà, vous voyez qu'il y a 3 gardiens à dégager. Hein. Bon, à l'arrière, lui, on peut le laisser. Mais alors, eux, les deux, là, hop, je regarde même pas. Hein. Parce que, bon, eux, ils servent vraiment à rien. Voilà, ensuite, toi, tu sers plus, t'es pas bon non plus. Donc, je licencie. Je licencie à tous ceux qui ont même pas une étoile de potentiel. Ça sert à rien qu'ils soient là. Hein. Ils vont rien donner, donc... Hop. Hop. Tac, voilà, c'est comme ça que je fais. Hein. Là, je m'embête même pas. Hein. Alors certains, vous allez pouvoir me dire, ouais, quand même, tu devrais les regarder, peut-être un peu plus en détail. Bon, il n'y a rien à voir. Hein. Ils n'ont même pas une étoile de potentiel. Hein. Voilà, déjà, ça va libérer un peu de masse salariale. Ça va faire du bien. Hop. Tac, allez, voilà, on s'en occupe. Les autres, hein, Christine, ça je crois que j'avais pas fait. On licencie. Toi, on va te licencier aussi. Alors peut-être que vous faites pas comme ça, hein, vous, peut-être que vous les laissez tous. Moi je trouve que petit club ou gros club, ça on fait. On est d'une certaine manière, on nettoie un petit peu, on a un peu plus de visibilité. Voilà. Je libère pas énormément de salaire, tandis qu'avec un petit club, là, pour le coup, ça devient vite intéressant, parce qu'on peut aussi libérer pas mal de salaire. Alors, c'est sûr que, oui, je paye pour les libérer. Hein. Alors, négociation concernant Sissoko. Ouais, on va mettre 7, et puis 9,5. Allez, comme ça, pour que ça fasse 17 millions. Ah, il met 20% sur pourcentage profit à la revente. Merde. Ouais, bon, de toute façon, on ne le revendra pas. Et voilà, c'est accepté. C'est accepté pour Moussa. Le petit Moussa. Alors, Moussa, par contre, il demande 404K. Alors, Moussa, tu vas te calmer. Hein. Kanté, il a combien? 244, bon. Vardy, il a combien? 424. Mahrez, il a combien? 272. Ouais, bon, Mahrez, déjà, il faut compter que mon avis sera augmenté dans la saison. Alors, déjà, pourcentage sur la revente. Bon, je vais lui laisser 15%, parce que sinon, il va nous énerver. Hop, je vais mettre 2 millions à l'agent. Combien il a en contrat actuel, Moussa? Il a 272. Donc, je vais lui mettre 308. Comme la voiture. Exactement. On va mettre 320. Oh,
128. Alors, sur les contrats, vous voyez, moi, ce que j'aime pas, bon, pourcentage sur la revente, j'aime pas trop, surtout quand vous pensez, quand c'est un jeune, et que vous vous dites, bah, j'ai des grandes chances de le revendre. Moussa, là, je sais pas trop. Hein. Bon, 25 ans, si, peut-être, hein, il va peut-être clairement prendre en valeur, donc ça peut être intéressant. Mais là, voilà, c'est pas très embêtant. Les clauses libératoires, j'enlève toujours. Là, en cas de relégation, il y a quand même peu de chances qu'on soit relégué, donc au pire, je la laisse. Hein, parce que si vous l'enlevez, bah, l'agent va vous demander d'augmenter en salaire. Donc là, ça, je laisse. Mais en revanche, clause libératoire, moi, j'enlève, typiquement. Hein, sauf en Espagne où vous êtes obligé. Mais sinon, j'enlève. Les primes d'apparition, primes de l'année, là, ce qu'ils me demandent, ça n'a pas l'air complètement hallucinant par rapport à un club de BPL. Hein. On reste en BPL. Voilà. Prime à la signature, commission d'agent, ça me paraît un peu beaucoup. Mais bon, voilà, on est en BPL, c'est des agents, ils sont chiants. Donc voilà. Et là, il accepte, voilà, à 328K. On a quand même baissé de 404K à 328K. Hein. Donc, ça vaut le coup de négocier. Pour ceux qui ne négocient peut-être pas beaucoup, ça vaut clairement, clairement, clairement le coup de négocier. Bon, c'est très, très important. Bernard, il pourrait venir, quoi. Bon, je sais pas, je ne vais pas recruter Bernard, quand même, c'est violent. Par contre, Dragovic derrière, ça me dit bien, quoi. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà testé, Dragovic, mais ça paraît intéressant. Alors lui, Marcin Vasilevski, hop, il part à Lucerne pour 500K. Bon, c'est pas lui qui va nous rapporter beaucoup d'argent, mais bon, à 35 ans, je trouve que le garder, c'était pas non plus une solution. Donc au final, ça sera le seul joueur qu'on vendra, a priori. Alors Marcelo Melli, c'est pas mal aussi ça. Mais bon, là, si on prend Sissoko, on recrutera que lui au milieu. Je pense ça. Parce que c'est énorme. C'est Moussa, quoi. Ça reste Moussa. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait donc aborder aussi lors de ce tuto au niveau du recrutement? Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que j'ai oublié des choses qui me paraissent... Qui me paraissent importantes là comme ça. Je vois pas. Est-ce que j'oublie des choses là les gars au niveau du recrutement? Je pense qu'on a déjà abordé les choses principales. Voilà, comment faire un contrat, comment observer, comment... Alors oui, ça c'est intéressant ouais, d'aller observer aussi les divisions qui sont en dessous du championnat où vous êtes, typiquement avoir un recruteur en championship, ça c'est intéressant, donc c'est intéressant aussi vous d'aller voir, voilà, Sissoko à Leicester, c'est fait. Boum, alors voilà, vous acceptez, tac, on va quand même vivre dans ce tuto notre première recrue ensemble, c'était le but, hein, donc vous parlez au capitaine... Vous lui dites c'est toujours cool d'aller voir et d'aller accueillir le joueur. Ça, c'est un truc que je fais toujours. Et, putain, c'est notre plus gros transfert, quoi. Le dernier, c'était le plus gros, c'était Kramaric, qui avait été acheté à Rijeka. Ouais. Cher, en plus. Hein. Voilà. Et donc, Moussa, il vaut 15-25. Est-ce qu'il est un peu nerve, Moussa? Non, 140, 150. C'est bien. Donc ça, c'est une belle recrue, hein, vous voyez, typiquement. Relativement réaliste, hein. Franchement, c'est un joueur qui pourrait venir l'an prochain à Leicester. Hein. Typiquement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais même dans le style de jeu, c'est top. Hein. C'est tip top, hein, Moussa Sissoko. Donc voilà, première recrue qu'on a faite, donc il viendra dans la rotation de l'équipe, hein. Il sera même certainement titulaire aux côtés d'N'Golo Kanté. Même si bon, c'est un peu con, c'est sûr de pas mettre Drinkwater, quoi. Donc bon, on fera tourner de toute manière, hein. Il y a quand même une très très longue saison qui nous attend. Donc voilà, et puis ça permettra aussi parfois bah, peut-être de libérer un peu Amarté. Hein, et puis de mettre N'Golo Kanté milieu def, de mettre Drinkwater meneur de jeu en retrait et Sissoko milieu attaque axial, quoi. Voilà comment on fera. Bah écoutez, je pense que pour le tuto de recrutement ça suffit.
Hein, après, bah, on commencera vraiment la carrière et puis là, on commencera nos recrues, etc. Ça vous servira toujours de tuto, mais voilà, je pense que en termes de recrutement, c'est un petit peu ce qu'on a vu. N'oubliez pas aussi d'aller prolonger vos joueurs. Donc ça, on l'a pas fait. Bon, je le ferai plus tard parce qu'au final, c'est pas très très difficile à faire. Maintenant, ce qu'il faut faire aussi, dernière chose qu'il faut regarder, ce sont les joueurs qui seront en fin de contrat dans un an, parce que ça. Il y a toujours des joueurs très 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 intéressants. Vous voyez Veloso, Garmash, Nkoulou. Nkoulou, c'est pour ça qu'on peut l'acheter, parce qu'il est en fin de contrat dans pas longtemps. Donc le montant de transfert sera moins élevé que s'il renouvelle son contrat. Vous voyez, donc ça, c'est toujours intéressant d'aller voir ça aussi, parce que ça vous donne des idées de recrutement de joueurs auxquels vous n'auriez pas forcément pensé, mais il y a un intérêt financier énorme à les recruter, quoi. Hein, Garmash aussi, ça peut être un milieu intéressant à recruter. Pourquoi? Bah parce que contrat qui termine en 2016, vous voyez. Donc ça, moi je pense qu'il faut aussi passer par là et y penser, quoi. Hein, si on ne met pas transfert réaliste, Banega, Ben Arfa, Saul de l'Atlético, putain, alors là, attends, quoi. Attends, on va quand même t'observer, toi. Bon, il viendra pas, mais bon. Bon, Matip, c'est déjà accepté, Carrillo aussi, il y a Fégouli. Pourquoi pas, hein, si Mahrez doit partir. À observer, hein. Ça coûte rien. Bon, par contre, il joue pas vraiment à gauche. Rouli, on a déjà observé. Vous voyez, ça c'est vraiment intéressant de faire ça. Hein. Bon, Clément Chantôme, on va peut-être arrêter. Hein, n'exagérons pas. Clément Chantôme, ouais. Voilà. Voilà, Johnny, ouais. Bentner, surtout pas. Bon, bah ouais, non, mais tout ça c'est pas mal, hein. Tout ça c'est pas mal. Alors, moi, la deuxième recrue que j'ai envie de vous faire pour terminer ce tuto, c'est Korchia. Parce qu'il est pas cher. Et parce que je pense que c'est un peu ce dont on a besoin. Donc, qu'est-ce qu'il me disait au niveau des rapports entre 5 millions et 9 millions 5 donc, qu'est-ce qu'on va. Ah, pardon, hop, Korchia. Korchia. Donc on va démarrer à 2,5 tout de suite. Et mensualité sur 48 mois, on va mettre 3,5. C'est pas cher, hein. Franchement. Ah, c'est vraiment pas cher. Alors là, il me demande un peu plus, donc on va mettre 3,5 et 4. Ah, les 20% toujours à chaque fois, c'est chiant ça. Bon, ben, on prend comme ça. Par apparition en championnat, non, allez, c'est bon. C'est bon comme ça. Pour Korchia, ça va. J'accepte. Donc, il y a vraiment. Voilà, là, on recrute des bons joueurs. Alors, on a pris Sissoko qui a l'habitude de la première ligue. Korchia, non, mais bon, il est français. Et donc, avec Sissoko et Kanté, bah, il va pouvoir s'intégrer plus facilement. Ça, c'est que j'ai oublié d'en parler aussi, mais il y a une certaine logique aussi dans, que je fais de manière naturelle. J'essaye non plus de ne pas recruter un joueur qui va être tout seul, quoi. Vous voyez, et qui va potentiellement aussi se retrouver seul dans l'effectif ou avoir du mal à s'intégrer parce que il n'y a que lui qui est de cette nationalité-là ou parce qu'il ne parle pas bien la langue. Ou, voilà. Là, on a déjà un Français avec N'Golo Kanté. En plus, on sait que les Français, bon, voilà, c'est de la BPL, donc le championnat, il s'adapte facilement. Il y a Moussa Sissoko. Donc, en plus de ça, là, si on prend Korchia, ça fait 3 Français. Donc c'est vraiment c'est logique, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez forcément une intégration qui va se faire de manière plus facile, quoi. Alors, donc ça c'est aussi un truc à essayer de respecter autant que possible, à mon sens, encore une fois c'est un conseil que je vous donne, mais je pense que, ah tiens d'ailleurs on n'a pas fait attention pour le staff, on me proposait là des nombres de réponses convenables pour un entraîneur U18, bah, on propose Rio Ferdinand. Pas mal ça. Dean Glover, Fitzgerald, entraîneur U18, ouais. Gil Gomez, bon, je vais attendre un peu. Laisser l'annonce. Alors, Yanouzadj, ouais. Ils l'ont reprêté, Yanouzadj ou quoi? Non, j'ai l'impression qu'on gagne. Jesse Lingard. Alors, Korchia, c'est accepté.
Ouais, je le mets en rotation. Là, je laisse ça comme ça. Je laisse ça comme ça parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Je vais juste lui baisser un peu son salaire. 126. 178. Parce que c'est pas la peine d'en mettre trop. 140. 170. 150. 150, ça passe. Voilà. Toujours, hein, négocier le salaire. Franchement, vous vous embêtez pas parce que. Alors, la prime de l'agent, on peut aussi la diviser par deux bloqués. C'est vrai que moi, je ne le fais pas systématiquement, ça. Surtout que là, l'agent ne demandait pas grand-chose. Parfois, moi, je l'augmente pour diminuer aussi drastiquement le salaire. Notamment pour des gros joueurs qui demandent beaucoup. Ça, c'est une autre technique. Voilà. Si on est sur un coup et qu'on veut tout faire pour avoir le joueur, vaut mieux laisser la prime d'agent, voire même l'augmenter un tout petit peu. En revanche, pour d'autres recrues, comme dit Sienko, pour d'autres recrues, on peut diminuer la prime d'agent par deux et la bloquer. Vous la bloquez, ça fera rien. Notamment pour des plus jeunes joueurs. Ouais. Donc ça peut être aussi une technique au niveau des contrats que vous proposez. Et des fois, ben voilà. Surtout quand vous avez un petit club, ça c'est vraiment très très important. Là, on est sur un club de BPL. Voilà. Bon, on peut se permettre de pas trop négocier. Négocier le salaire, c'est très important. Les primes, quand vous voyez qu'ils ne vous demandent pas grand-chose, etc., n'allez pas trop pinailler, quoi. Sauf si vous voyez qu'il y a des choses qui vous paraissent totalement absurdes et abusées, quoi. Hein, mais sinon, voilà, ça sert à rien de pinailler comme un porc, quoi. Ouais, alors c'est vrai aussi, il y a ça, on n'a pas été confronté à ce cas-là, mais le pourcentage à la revente que vous allez mettre, parfois l'augmenter peut être intéressant, notamment où si vous êtes sur un gros joueur, que vous avez un club moyen, pour le faire venir, bah, vous avez besoin de mettre un pourcentage à la revente très fort parce que vous ne pouvez pas lui donner le salaire qu'il souhaite au départ. Hein. Donc mettons, parce qu'il arrive hein, régulièrement, hein, un joueur vous demande 400K, vous pouvez mettre que 250K maximum, bah, lui mettre un 30 ou 40% à la revente. Hein, lui, hein, qui va toucher, en général, ça marche. Peut-être qu'ensuite, vous arriverez à renégocier après. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, vous renégocierez le contrat après, sauf si vous le vendez la saison suivante. Mais ça peut toujours être intéressant parce que ça permet. Ah oui, c'est vrai, le jeune joueur que mon recruteur avait trouvé, tout à fait. Je vais aller m'en occuper maintenant. Mais peut-être qu'il acceptera toujours pas. Non, je vais encore attendre un peu parce que vu que je lui avais proposé un contrat il y a une semaine ou quelque chose comme ça, je vais encore attendre et puis on fera ça tranquillement. Voilà. Du coup, bon, écoutez, on va attendre que Korchia vienne et puis on arrêtera ce troisième tuto sur les transferts. C'est des choses voilà, que je pourrais refaire. Là, c'est vraiment la première fois que je le fais et que je le fais de manière, on va dire, un peu presque un peu one again, quoi. Mais ça peut, bah, clairement, je pourrais le refaire l'an prochain de manière peut-être un peu plus posée, un peu plus cadrée. Là, voilà, je trouvais que ce qui était sympa, c'est que, bah, en fait, c'était encore une fois de rendre hommage à Leicester à ce moment-là, donc de prendre ce club-là et puis d'en profiter pour vous faire ces tutos-là. Je trouvais que c'était sympa. Bon voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires sur YouTube et puis aussi dans les commentaires du chat là. Mais je pense que. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Dites-moi, hein. Dites-moi sur les commentaires du chat. Dites-moi dans les commentaires sur YouTube. Dites-moi si voilà, ça vous a plu, si vous voulez qu'on le refasse pour autre chose, pour des trucs en particulier. Je suis à votre écoute. Je suis à votre écoute. Je sais que ça m'avait été demandé, hein, plusieurs fois sur YouTube. Tiens, pour club affilié, hop, je recommande Nottingham County. Voilà, donc la prochaine fois, ça sera un tuto imitation. Et tout à fait, je suis aux côtés de ce cher. Aïe, aïe, aïe. Sinon, il y a imitation, il y a réplique de film aussi, hein. Et voilà, on a les droits. Oh, aïe, 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 aïe. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme, quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. À la moulette. Donnez-moi votre numéro. 01 45 90 56 03.
Allô ? Il a raccroché. Mais non, c'est moi, abruti ! Bah, comment ça, abruti ? Faut pas me lancer. Hein. Tac, Lucas Romero, on observe. C'est observé. Corchia vers Leicester. Voilà. It is done. C'est fait. Donc là, on peut envoyer en stage de formation intensive. Ça, je vous recommande vivement toujours de le faire hein, pour les joueurs. Hop, le capitaine qui dit là. Et puis, on le rentre hop, dans l'enregistrement de l'effectif. N'oubliez pas qu'en première ligue, il y a 25 joueurs maximum. Mais ça ne compte pas les jeunes. Le prêt, on verra plus tard. Et donc, voilà notre petit Sébastien Corchia qui nous a rejoint pour une somme fort modique. Hein. Et qui est plutôt pas mal. Hein. Bon, 7,5 millions. Lille, ils sont en train de faire une bonne petite plus-value sur lui. Hein. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, fin de notre troisième tuto ensemble. Pour le live, on va également s'arrêter là, je pense. Donc, du coup, on reprendra au début de saison. Hein, on fera la carrière telle qu'elle doit être faite. J'espère que ces tutos vous auront plu. Je les mettrai petit à petit sur YouTube. Hein, j'en mettrai un jour, l'autre deux jours après, et puis le troisième encore deux jours après. Hein, donc, on commencera par le tuto préparation d'équipe, ensuite tuto staff, et puis à la fin tuto. Recrutement de joueurs. Encore une fois, je vous encouragerai aussi à aller visiter le blog de Touma qui va bien, je pense, compléter ce que je dis. J'espère que ça donnera une image un petit peu à ce qui a été écrit dessus. Il y a de très bons tutos aussi sur FM Europe, sur footmanager.net, donc n'hésitez pas aussi à aller les voir parce que voilà, ça vient compléter ce que je dis ou je viens compléter ce qui est dit dans ces tutos. Simplement, c'est aussi beaucoup d'écriture, donc parfois ça vous ennuie peut-être un petit peu. Mais en tout cas, voilà, j'étais content de prendre pour la première fois vraiment du temps pour une préparation d'équipe ensemble. Voilà, c'était peut-être pas assez détaillé, j'ai certainement oublié plein de choses. Parfois, je vous disais les choses voilà, un petit peu pêle-mêle, mais je pense que ça vous aura intéressé. Dites-le-moi dans les commentaires. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Merci à tous d'avoir été là. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite. On se retrouve très vite pour la suite de cette carrière, donc avec Leicester, qu'on débutera véritablement lors du prochain épisode. Allez, salut tout le monde, bye bye, et puis à très vite. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Donc, on se retrouve la prochaine fois, certainement, pour un tuto concernant la tactique en match, construction de tactique par rapport aux joueurs qui sont présents. Je sais que ça m'est beaucoup demandé. Donc, on essaiera de faire ça ensemble. Et puis, écoutez, on essaiera de se faire encore une fois une vidéo tuto assez sympathique. Je sais que c'est des tutos qui, ma foi, ont duré un petit peu longtemps, un petit peu trop longtemps à mon goût. J'aurais aimé ne pas dépasser la demi-heure, mais c'est vrai que bon, en partant un peu dans tous les sens et puis n'ayant pas préparé et structuré mon propos, c'était quasi évident que ça allait dépasser cette durée. Donc j'essaierai également de faire ça et d'améliorer ça pour le prochain opus. Allez, salut tout le monde, bye bye, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir parce que c'est quand même un petit peu de concentration, ces petits tutos. Allez, salut tout le monde, bye bye.